Chers amis et sympathisants de Stop Parkinson et du Stop Parkinson Walk, je m'appelle Jostama, je suis un ami de golf de Ivo de Biscop, l'initiateur de Stop Parkinson et membre de son équipe d'organisation. En tant que spécialiste du développement de nouveaux médicaments chez l'homme, je suis dans l'équipe, entre autres, responsable du choix des projets de recherche que nous aimerions soutenir. Parkinson est une maladie dégénérative du cerveau très complexe, ce qui explique que les experts ont des difficultés à comprendre de façon précise tout ce qui tourne mal dans le cerveau des parkinsoniens. Aujourd'hui, il n'existe toujours pas de médicament vraiment capable de guérir la maladie ou au moins d'arrêter sa progression. Et ceci, malgré des efforts considérables de l'industrie pharmaceutique dans le passé. À cause de ces échecs répétés, la recherche d'un traitement modificateur de la maladie n'est actuellement plus une priorité pour l'industrie pharma. Ce sont donc plutôt des initiatives privées qui doivent combler cette lacune en stimulant les chercheurs à explorer des voies nouvelles. Et c'est exactement ce que Stop Parkinson s'est donné comme objectif, collecter des fonds pour 4 projets de recherche innovants et prometteurs. 3 de ces projets explorent des pistes totalement nouvelles, en dehors des sentiers battus, pour mieux comprendre certains processus qui tournent mal dans le cerveau de parkinsoniens, et sur lesquels des nouveaux médicaments pourraient agir pour arrêter la maladie. Ces projets ont juste besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour être testés chez l'homme. Le 4e projet recherche un traceur pour l'imagerie médicale du cerveau qui permettrait de diagnostiquer la maladie de Parkinson de façon plus précoce. D'autant plus précoce on peut diagnostiquer la maladie, d'autant mieux on peut la traiter. Un premier traceur issu de ce projet vient d'être testé chez des patients. Il est clair que ces recherches sont très coûteuses. Nous avons décidé d'y contribuer en organisant le Stop Parkinson Walk, une marche tout au long des frontières de la Belgique en 49 jours afin de collecter des fonds. Jusqu'à présent, nous avons déjà moissonné plus de 200 000 euros, mais le chemin est encore long pour atteindre notre objectif de 1 million d'euros. Nous continuons donc à faire appel à vous pour réussir ce défi. Rendez-vous sur notre site web www.stopparkinson.be où vous pouvez acheter des pas, car chaque pas compte. D'avance, merci de votre contribution grandement appréciée.